Est-ce que nous connaissons que c'est seul un petit groupe haïtien qui a l'idée vague de l'histoire du pays d'Haïti? Ça, c'est un bail qui est grave, et même très grave. Surtout, là, nous connaissons qui rôle connaissance l'histoire qui a joué dans le développement du pays. C'est pour essayer de corriger la situation ça, que Jean-Julien, dans la collection 2004, à la collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, invité tout Haïtien à la Ronde Badet à faire un grand pèlerinage dans l'histoire du pays d'Haïti. Quel que soit son hier, côté noir, côté milat, côté blanc, qu'on vive en Haïti, qu'on vive l'autre bord de l'eau, qu'on était Haïtien ou bien qu'on naturalisé étranger, c'est pour chaque grain Haïtien qui a une obligation et même un devoir pour apprendre qu'on est histoire pays d'Haïti. Ensemble, on a frappé dans porte générale l'histoire pour nous connaître ce qui est passé dans dix d'antan. C'est celle générale l'histoire qui cap foué toute belle bagaille que j'en sept yo terre mettre. C'est celle générale l'histoire qui cap foué tout crime, tout vol, toute l'autre vieille bagaille laide qui en pile dans dirigeant yo te commettre. Dans tout pays étranger, quel que soit côté haïtien passé, yo reconnaît valeur. Yo dit que haïtien bon et le bon vrai. Gros question qu'on y est, qui ça nous cap fait pour nous ranger pays d'Haïti? Mes amis, c'est seul général histoire qui a fait tout haïtien prendre conscience. C'est seul général histoire qui cap dit nous ça nous doit faire pour lever gros gabel ça et sauver belti Haïti chéri nous. Situation pays d'Haïti après estimé. Après renversement président Dumas estimé, la même état-major l'armée d'Haïti formé un junte militaire qui a gagné général Franck Lavaux président, colonel Antoine Levelt et colonel Paul Magloire membre. Nous devons remarquer que ces mêmes trois militaires saillot qui a dirigé pays après renversement président Élie Lescot en janvier 1946. Dans junte militaire ça, gros nègre la même, c'était Paul Magloire qui était ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Et là ça, pour tout le monde qui t'a suivi courant politique dans pays, il était clair que pas de gagner qui était pas l'empêcher Paul Magloire vienne président d'Haïti. Premier acte que junte militaire a posé, c'est premièrement, il fermait la chambre, il renvoyait tout député ensemble avec tout sénateur. Deuxièmement, il mettait pays en état de siège. Et troisièmement, ils ont arrêté quelques gros partisans, président estimé, ensemble avec un pile monde qui t'a crasé, brisé dans la chambre sénat. Dans la date qui était 5 juin 1950, j'ai la monté un conseil consultatif de 25 membres qui gagne pour le point toute disposition pour organiser élection et bail pays à une autre constitution. Le 3 août, conseil consultatif l'a publié loi électorale là qui fixait 8 octobre comme date élection pour le fait. Pour choisir en même temps un président, 21 sénateurs, 37 députés, ensemble avec 17 citoyens qui te gen poil go naïve et crient l'autre constitution. Jusque-là, en Haïti, l'élection te kon faite au second degré, qui veut dire c'est députés avec sénateurs qui te kon réunir la chambre en assemblée nationale et voter pour nommer un président. Dans l'élection qui te gen pour faite le 8 octobre 1950, c'était pour la première fois que, au lieu de parlementaires, ces garçons majeurs qui étaient 21 ans ou bien plus que 21 ans, c'est eux qui étaient pour voter pour nommer un président. Femme pour vos payo, yo pas obligé tant jusque dans l'année 1957 pour gain droit voter dans l'élection pour nommer un président. Bien avant que t'ait publié loi électorale là, Paul Magloire était déjà en pleine activité. Au commencement, c'est tous les trois membres junte militaire qui étaient pour déplacer à faire la tournée dans toute grande ville pays. Finalement, le 7 juillet 1950, c'est colonel Paul Magloire seul qui t'a quitté Port-au-Prince et t'a fait virer dans la Tibonite, dans le nord et dans le plateau central. Premier monde qui pral lancer campagne colonel Paul Magloire à la présidence, c'était Monseigneur Robert, évêque Gonaïve. Le Magloire arrivait en tournée Gonaïve, Monseigneur Robert courut l'ouvrir porte cathédrale Gonaïve de battant pour chanter Te Deum pour Paul Magloire.
Après ça, Monseigneur Robert monte sous prêche, côté le campé. Elle dit, Paul Magloire, peuple haïtien tapten yon sauveur. C'est à ou yon louvri braio, et peuple a quoi que c'est ou même qui sauveur. Après ça, Magloire quitte Gonaïve, et le rentre dans nord. Dans un discours que le fait dans la commune au Cap, Magloire détaille tout ça le poil fait pour ville au Cap, l'élivé président. De 7 à 19 août 1950, Jean-Claude a fait organiser un recensement pour connaître qui quantité de monde qui t'a vivre dans le pays. Combien de cailles t'es gagné? Combien de caoutes? Combien de têtes bétail chaque paysan t'es gagné? Et comment l'agriculture est organisée dans le pays? Résultat recensement, ça a été bail. T'es gagné 3 097 220 monde qui t'a vivre dans le temps ça dans le pays d'Haïti. Faut que nous dit que presque tout paysan est en alphabet. Y'a pas de qu'on ni lire ni écrit. Yo pas de kon la jio, ni yo pas de kon ki ane yo te fait. En plus de ça, yo te très renka. Yo pas d'accord pour livrer trop information by inspecteur yo qui t'a fait recensement. Avant même yo te publié décret électoral là, Paul Magloire te déjà a marché fait campagne dans tout pays. Là quelques bon coup de plume dans journal vient démontrer que d'après article 135 constitution, militaire en activité de service pas cap occuper aucune fonction publique. Qui donc, faut colonel Paul Magloire quitter la mer et bal démission comme même junte militaire avant que le cap pose candidature à la présidence. Comme pays est en état de siège, pour répondre, yo, Magloire tout simplement a déclaré que la constitution est en veilleuse. Qui veut dire, constitution est là, mais qu'on y a l'abdomen. Qui donc, pays est à marcher sans constitution. Les Daniel Fillon, les leader populaire qui t'a dirigé un parti politique qui t'aurait les mouvements ouvriers paysans ou bien MOP, réalisait toute magouille qui parle fait. Les apprennent que c'est l'armée qui joue élection pour superviser toute opération en dans toutes 600 bureaux de vote. Yo, l'ité by joint là yon pinga. L'el t'a dit, il faut que tu respectes votre peuple là. Là même, Paul Magloire courut à battre Fillon et le Mandel. Mon cher de qui peuple pas parler là. Dans le pays ça, c'est deux forces qui gagnent, c'est l'armée et la bourgeoisie. Après ça, Magloire bal démission dans junte là. Il fait un partisan, un avocat au Cap qui était le Luc Fouché, remplacé comme ministre de l'Intérieur. Le 23 juillet, Magloire t'a fait la tournée au CAI côté sénateur Louis Desjoies, t'a fait gros réception pour lui. Le 25 juillet, Magloire t'a Jérémy. Et le 7 août, c'était tout pas mon porte de paix qui te recevoir Magloire. Pendant la campagne électorale, là, Magloire te fait faire une grande distribution, un petit carré carton couleur qui te gagne photo sous lit, habillé en militaire, avec un chapeau feutre sous tête lit, et en bas, pointe cravate lit rentré en dans chemise lit. En bas photo ça, Magloire te fait imprimer un résumé tout ça pour le faire l'élivé président. Premièrement, il pourra le rester au service du peuple. Deuxièmement, il pourra respecter tout engagement international. Troisièmement, il pourra maintenir toute conquête sociale révolution de 1946. Quatrièmement, il pourra développer l'agriculture et commencer petit, mettre industrie dans le pays. Cinquièmement, il pourra décentraliser l'administration publique pour permettre ville province de développer. Sixièmement, il pourra maintenir l'ordre et bail sécurité. Mais ça qui t'est vraiment attiré attention en pile monde, c'est le comme septième et dernier point. Magloire dit que le gouvernement pourra combattre le communisme. Campagne-là a duré 2 mois. Pendant toute campagne-là, Jazz des Jeunes, yon Jazz Port-au-Prince, te konal bay animation tout partout avec Luman Casimir. Luman Casimir, ça, c'est ton vedette populaire qui te fait nol dans l'époque bicentenaire, Port-au-Prince. Luman te gen belle voix et pour voir Magloire monter, dit te kon chanton mérène qui te gen comme refrain. Timoun 2 ans, abdi vive Magloire. Grand monde 110 ans a dit vive ma gloire, c'est tout le monde dans tout pays qui a dit vive ma gloire. Il faut croire que Paul Magloire est vraiment populaire. Et tout partout côté le passé, il était bal belle réception et il était même recevoir le temps qu'un chef d'État. En plus de ça, l'église catholique, l'armée, l'élite et en bas ambassade américaine, ils ont tout été campé ferme derrière ma gloire. Qui donc, pas de moyens qui étaient pour empêcher ma gloire passer comme président. Effectivement, le 8 octobre, l'élection est faite. Et dans toutes 600 bureaux de vote, c'est militaires qui ont supervisé l'élection.
Le 24 octobre, il a déclaré le résultat de l'élection. Paul Magloire est passé comme président. Il y a 527 625 personnes qui ont voté pour lui. Ça a représenté 99% de voix. Cependant, il y a un candidat qui était opposé à Paul Magloire, qui était relé ingénieur Fénelon Alphonse. Il n'est pas très connu. C'est comme ça, les résultats de résultat élection, il était trouvé dans tout port au point, c'est seulement 7 personnes qui ont voté pour ingénieur Fénelon Alphonse. À la vérité, si vraiment c'est le peuple qui a voté pour mettre Paul Magloire président, cependant, pour un pile député avec un pile sénateur, qui n'a pas de grande popularité dans masse peuple, c'est surtout grâce à Paul Magloire qui a choisi et permet de passer comme parlementaire. Comme campagne Magloire te chita sur l'union de la famille haïtienne, ça la cause que dans le nouveau parlement, tu as noir et tu as mulat, tu as quelques grands intellectuels et plusieurs avocats qui t'ont monté la chambre. Alphéloi. Qui est-ce qui était Paul Magloire? Paul Magloire était point naissance dans la date qui était 19 juillet 1907. Papa était Eugène Magloire et dans l'époque ça, il était commandant fort national Port-au-Prince. Maman était Philomène Mathieu et ensemble avec Eugène, il était fait 8 petites, 4 filles, 4 garçons. Et c'est Paul qui était dernier. Paul Magloire c'est un monde qui fait sur une bonne étoile. Le baptême li nan Port-au-Prince, un certain Paul Lochard qui était lié un poème, côté il te souhaitait Paul Magloire pour le grandir noble et fier, et qu'il vive toujours dans la justice. Comme général Eugène Magloire te mouri 7 mois après Paul te point naissance, toute famille là après ça te laissé Port-au-Prince et t'a habité dans le nord. Paul fait études primaires car il est frère de l'instruction chrétienne au Cap-Haïtien. Et études secondaires, lycée Philippe Guerrier, toujours au Cap-Haïtien. À peine il quittait l'école, il était jeune en job professeur suppléant dans le lycée Philippe Guerrier au Cap. Comme militaire blanc américain, il voulait monter en force l'armée avant de désoccuper le pays le 1er août 1934. C'est comme ça, en 1930, à l'âge de 23 ans, Paul Magloire entrait à l'école militaire et 11 mois après, il était commissionné aspirant officier. Premier côté, Paul Magloire a fait poste second naïve. En février 1932, président Stenio Vincent, qui était pour le porte de paix, était fort campé gonaïve. Il était remarqué un bel officier noir bien campé. L'elle mandait la pointe que jeune officier s'arrête, Paul Magloire. Vincent fait chercher. Les Vincent finit connaissant toutes en sept lits. Il dit Magloire, fais pas qu'à tout, va prendre travers au Port-au-Prince. C'est bien longtemps après qu'on vient apprendre pour qui raison président Vincent t'a fait bel geste ça vis-à-vis Paul Magloire. Paul Magloire était une grande cousine li qui était les Clermélie. C'est un notable quartier Morin. Marie dame ça Honoré Moïse, c'est un grand planteur. Et chaque fois la parler de plantation, il toujours qu'on a dit nous grandissons. C'est comme ça il pas de printemps pour monde quartier Morin. T'es tout viendre les Clermélie. Madame Grandisson Moïse. Benjamin Vincent, papa président Vincent, te quitté Hinch et t'as habité quartier Morin, qui se base la famille Magloire. Madame Grandisson te baille Benjamin Vincent, bon j'en support. Et les Benjamin Vincent mouri, Madame Grandisson te fait chanter l'enterrement et te fait enterrer cadavre là dans le cimetière quartier Morin. En reconnaissance de tout sa grand-cousine Paul Magloire, ça a été fait pour papa. Président Vincent est rentré Paul Magloire dans le palais national et placé le bon côté comme officier de la maison militaire. Stenio Vincent qui était fait pour le prince, mais qui était un souche-li, hein? T'es servi avec Paul Magloire pour le point revanche sous quelques bourgeois pour le prince qui était contre mystifié. C'est peut-être ça. Dans pile fête, dans pile réception, il a invité Vincent. L'idée qu'on voyait Paul Magloire à le représenter. Belle noire, bien campée, toujours souriant, en plus de ça, bon danseur, grand joueur de cartes, et un homme qui était qu'un bevel bien. Paul Magloire pas de printemps pour le mettre en position, pour le faire accepter, et même intégrer à fond dans la bourgeoisie provincienne. Le 14 juillet 1933, Magloire prend grade premier lieutenant. Et Vincent Nomel, assistant commandant de la maison militaire Palais National. 8 mois après, président Vincent montait le capitaine à titre honorifique et Nomel chef de la maison militaire.
Paul Magloire ça, pas de bien plus que 26 ans. Vincent pas de cap nommé Magloire capitaine en plein parce que d'après règlement la mer, il pas de cap fait Magloire jambé sous tête tout l'autre officier qui était sorti dans promotion avant et qui pas de corrivé capitaine. 6 mois pita en septembre 1934. Brusquement, Vincent transféré Paul Magloire à Gonaïve comme adjudant département militaire de l'Artibonite. Sous affaire transfert Magloire à Gonaïve, ça, il y a des balles plusieurs, disons. Il y a un pile officier dans l'armée d'Haïti qui croit que c'est en question de couleur. Il y a des affaires noires mulattes. Réseau transfert ça, d'après eux-mêmes, c'est que capitaine Durcé Armand, un petit parent Vincent, te voulait faire Vincent non main lieutenant Arnaud Mersouan pour remplacer Magloire, parce que comme président Vincent Teguin pour fait un voyage officiel Washington, capitaine Durcé Armand a trouvé Paul Magloire beaucoup trop noir, poussé lui comme chef de la maison militaire, quitta la compagnie président Vincent aux États-Unis. Faut que nous dit qu'en époque ça, un jeune intellectuel qui était le docteur René Piquion, a dénoncé ça publiquement dans un article qu'il a écrit et qui a publié dans le journal L'Action Nationale. Au fond, pas de gains à faire noir mulat vrai. C'est pas vrai. Capitaine Durcé Armand, t'es tout voulu mettre dans le poste ça, dans le palais national, lieutenant Arnaud Mersouan qui tombe en mille. D'ailleurs, mais comment Paul Magloire lui-même expliquait ça? Capitaine Durcé Armand, t'as fait plan pour former un bataillon que t'es pour aller les gardes présidentiels. Il te tient à ce que c'est lui qui premier commandant garde présidentiel ça. Vincent, un bon politicien, et pour faire des affaires noires, mulat ça, suspend courir, malgré ses protocoles de PAM, pour ne pas promotion, il fait bon grade capitaine à titre honorifique, et en même temps, non même chef de la maison militaire, n'en place capitaine Durcé Armand. Magloire est passé 2 ans Gonaïve. Après ça, il est transféré au Cap. Cependant que le taux Cap, que le 8 avril 1936, il était marié avec une dame au Cap qui était relé Yolette Lecomte. Il était profité pendant que le taux Cap pour le tal l'école de droit, côté il était décroché un diplôme de licencié en droit. Pendant que Magloire au Cap, chaque 2 mercredis à 3h de l'après-midi, l'école, marché, magasin, toute activité était fermée. Et masse peuple était qu'on a gonflé sous champ de masse au Cap pour aller assister Paul Magloire qui a passé troupes en revue. Fait soldat exécuter quelques exhibitions tactiques et fait belle parade. Paul Magloire était laissé ville au Cap en 1941 sous gouvernement président Élie Lescot. Il était rentré pour Port-au-Prince comme commandant pénitentiaire national. À partir de date ça, Paul Magloire pral fait toute reste carrière militaire Port-au-Prince. En 1944, Magloire était chef de la police Port-au-Prince. Et le 1er octobre 1944, de capitaine il était pour un grade major et Lescot est nommé le commandant caserne des Salines et chef de la maison militaire dans le palais national. Dans Port-au-Prince, Magloire à cheval, était qu'on a organisé de gros parades militaires et comme ça, réputation Magloire comme bel officier était venu gagner rapidement dans tout le pays. Après Lescot tombé en janvier 1946, avec colonel Franck Laveau et major Antoine Levelt, nous joignons Paul Magloire comme 3e membre comité exécutif militaire qui t'a dirigé pays. En 1947, président du Moi 16 estimé nommé Paul Magloire colonel. Et le 10 mai 1950, après coup d'État qui t'a renversé président estimé, nous joignons colonel Paul Magloire, ensemble avec général Franck Laveau et colonel Antoine Levelt, membre d'une junte militaire de gouvernement. Il faut dire que Paul Magloire, c'est un monsieur très sympathique. Il était toujours absouri. Il était ballon non gâté, il était relé quand son fait. Mais non quand son fait ça, à côté le sorti. D'après ça d'apprendre, c'est un soldat Magloire qui a gagné comme ordonnance l'être jeune officier. C'est lui qui était ballon non ça. Soldat ça, il relé Abner Emmanuel. Il était ballon non gâté, il était relé le démoulage. Démoulage était tellement vignon habitué à la caille Magloire, que était considéré le temps qu'on membre de la famille. Chaque année, dans date 25 août, Magloire était toujours à Quartier Morin à l'assister fête Saint-Louis, qui c'est saint patron paroisse Quartier Morin. Dans l'occasion fête là, il était toujours couvert statut saint avec un grand manteau.
préfète là, yo te kon retire manteau. Magloire te kon menen démoulage Javel nan fête quartier Morin. Yon fois, démoulage qui tande dans l'église là, lè y a déshabillé saint. Hein? T'es remarqué que bout en bas statue Saint Louis t'es en fer. Qui donc Saint Louis t'es gon quand son fait. Là même, démoulage décidé pour reler Paul Magloire quand son fait. C'est un nom que Magloire t'es remis en pile. Magloire t'es tellement remis dans ça que pendant que il était président, il était composé chanté pour lui. Chanté ça, t'es sur l'air vaudou. Il t'es gagné comme refrain. C'est dans Pompawa, c'est là quand son fait rété. Puis Timon des autres va venir voir Roche Bali. Un grand chanteur haïtien qui t'est relé Joe Trouillot. Te font belle interprétation chanter ça. Yo te kon joué chanter ça nan bal et passer nan radio. Faut que nous dit en passant que Pompawa, c'est un pont qui sous rivière Paroi, une rivière qui entre quartier Morin et Limonade. Commencement gouvernement Magloire. Le 3 novembre, une semaine après au bas résultat élection, 17 constituants eux réunis dans l'évêché Gonaïve pour écrire une autre constitution. Le 25 novembre, constitution a été promulguée et le 6 décembre 1950, devant deux chambres réunies en Assemblée nationale, Paul Magloire a prêté serment comme président d'Haïti. Magloire, qui était passé plusieurs années à servir comme officier en dedans palais national, sous président Vincent et sous président Lescot, était censé connaître tout ouage à toute manœuvre politique qui était qu'on marrait en dedans palais national. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de gain aucun problème pour le diriger pays. Premier acte officiel que Magloire a fait, il était nommé Luc Fouché, secrétaire d'État à la présidence. Pour ça, a été créé pour remplacer fonction de chef de cabinet particulier du président de la République. Après ça, il prend un décret pour nommer 7 secrétaires d'État et 3 sous-secrétaires d'État. Le 8 décembre, Magloire nomme Antoine Levelt brigadier général et installé comme chef d'état-major de l'armée d'Haïti en remplacement général Franck Lavaux qui t'a accepté à le représenter Haïti à Paris comme ambassadeur. Il a rapporté que général Lavaux pas d'accord du tout avec coup d'état qui t'a renversé président estimé. C'est pour raison ça, au lieu que le territoire dans l'armée, il était préféré aller en France à le représenter pays d'Haïti comme ambassadeur. Moins que un mois après Magloire de prêté serment comme président, il était trouvé en face d'une grève générale que mouvement ouvrier paysan ou bien MOP et parti socialiste populaire PSP était prêt à le déclencher le 3 janvier 1951. Là même, gouvernement passe à l'action. Il fait fermer MOP et PSP ensemble avec journal qui t'a fait propagande pour deux partis politiques ça. Yo t'ai accusé Parti Socialiste Populaire de même que Mouvement Ouvrier Paysan comme deux groupements communistes. Au fond, pour ça garder MOP, c'est une fausse accusation. Parce que le MOP du professeur Daniel Fignolet, pas un groupement communiste. Après ça, le gouvernement t'a fait arrêter plusieurs monde sur accusation complot contre la sûreté de l'État. Cependant, à l'occasion fête l'armée 1er août, Magloire t'a fait me larguer au tout. Même époque ça, yo t'a arrêté bon Léo Gann Lélio même non. Yo t'a pas travel pour au prince, Léo t'est arrivé Gressier. La police t'est descend Lélio même non. Parce que yo dit t'est braqué sous policier yo, yon revolver que t'est caché en dans pantalon. Lélio même non ça, c'est un gros partisan président estimé. Il tape travail en dans palais national sous gouvernement estimé. Yo même prétendent que t'est fait partie d'une équipe qui pendant que estimé t'est président t'a comploté pour assassiner Paul Magloire. C'est ça que la cause, dans l'époque ça, pour un pile monde, Jean la police te descend les lieux même non, t'a plus ressemblé avec une exécution. Le 19 février 1951, seulement 2 mois et demi après que le t'es au pouvoir, Magloire t'a rencontré président dominicain Rafael Leonidas Trujillo y Molina à Elias Piñas et Belader. Ensemble, ils t'ont signé une déclaration en 4 points. Comme premier point, pour lutter contre le communisme. Deuxième, pour réglementer l'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Troisième, pour développer le commerce entre deux pays. Et quatrième, établir une convention à caractère culturel et touristique dans l'intérêt Haïti et la République dominicaine.
Après président Lescott est fin déclaré l'Allemagne la guerre en décembre 1941, yo t'es expulsé ou bien t'es mettre en prison fort national en pile blanc allemand qui t'a vivre dans pays hier et yo t'es saisi tout bien yo. Quoique deuxième guerre mondiale la t'es fini en 1945. Cependant, gouvernement haïtien pas de jamais point aucune disposition avant ça pour reprendre bon genre relation diplomatique avec l'Allemagne. En juillet 1951, Magloire convoquait deux chambres en Assemblée nationale et mandé yo pour yo pencher sous quatre tout bien blanc allemand yo que gouvernement Lescott t'ait saisi et fait en sorte qu'à partir de septembre 1952, pour yo remettre blanc allemand yo tout bien yo qui était là et disposer de 2 millions de dollars américains pour l'État haïtien payer comme dédommagement pour tout bien allemand yo qui était vendre ou bien de disparaître. Le 10 mars 1951, 3 mois après que le t'ai prêté serment comme président, Paul Magloire laissé Port-au-Prince et l'a fait la tournée dans le nord. Le lendemain 11 mars, il fait dans l'hôtel de Ville au Cap, dans un discours côté l'État allé en 12 points, tout programme politique gouvernement. Il dit, 1. Il pourra développer l'agriculture. 2. Il pourra mettre l'ordre dans l'administration de l'État. 3. Li pral faire drainage et irrigation dans tout pays. 4. Li pral créer une banque de crédit agricole pour prêter l'argent à monde qui a fait agriculture. 5. Li pral encourager organisation coopérative. 6. Li pral augmenter production café et reprendre production figue banane. 7. Li pral encourager entrepreneurs étrangers venir investir en Haïti. 8. Li pral finir travail au DVA qui était commencé sous président estimé. 9. Li pral réparer et construire route. 10. Li pral bâtir en pile l'école. 11. Li pral bâtir en pile caille pour ouvriers. 12. Li pap négliger et c'est chaque jour li pral pencher sur ça garder la santé, la justice, le commerce, le travail, le tourisme et la sécurité publique. Dans 4 promesses Magloire t'ai fait pour le développer et relever figure ville provinciaux. Magloire a profité de voyager dans le nord pour l'annoncer un contrat que le gouvernement a signé avec la Compagnia Industrias Maritimas pour draguer la mer de façon pour faire un boulevard sous bord de mer ville au Cap, bâtir un waf, faire courir un bateau en pile fer tuyau, bâtir une citerne qui cap kenbe yon affaire de 1 million gallons de l'eau, faire drainage tout rue, faire canal béton, mettre caniveau et asphalter toute rue ville au Cap. Comme réalisation, président Paul Magloire a continué et même augmenté en pile dans projet que président estimait de commencer ou bien de pouvoir le faire pour payer. C'est comme ça, sous gouvernement Magloire, la cité de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince était belle et bien entretenue, tant que les présidents estimés étaient inaugurés en 1949. Dans la date qui était 22 août 1951, gouvernement Magloire a signé un accord de 20 millions de dollars avec la Exim Bank pour un bon travail que Brown & Root, une compagnie ingénieur américain, a gain pour le faire dans le cadre d'organisation développement Vallée d'Artibonite ou bien ODVA. Compagnie ça a gain pour le faire drainage, servi à glo l'Artibonite là pour faire irrigation pour arroser terre et installer une usine électrique. Pendant l'année 1951, gouvernement Magloire prend mesure pour augmenter salaire des employés, fixer journée de travail à 8 heures de temps par jour et à 48 heures de temps par semaine. Après ça, Magloire a fait augmenter l'argent employé l'État, soldats ensemble avec tout officier de l'armée d'Haïti. Le 19 septembre 1951, Magloire a fait passer une loi qui a créé l'Institut d'assurance sociale d'Haïti, qui était attaché au département du travail. Wall-E-Dash, c'est pour te protéger ouvriers et garantir maximum sécurité. Dans le mois de mai 1951, Magloire signé avec les États-Unis un accord qui était le point 4. Accord ça a 4 points. Point 1, c'est pour les États-Unis et Haïti faire échange de connaissances techniques qui pour permettre de développer ressources économiques pays. Point 2, gouvernement haïtien pour rassembler tout programme coopération technique qui pourra le faire en Haïti. Point 3. Gouvernement haïtien pour le faire échange avec l'autre pays toute connaissance technique qui réalisée en Haïti. Point 4.
gouvernement haïtien pour le déployer effort pour servir correctement à résultat projet technique réalisé en Haïti. Dans le même mois, même 1951, Magloire lançait un plan quinquennal de 5 ans qui vient pour le commencer le 1er octobre 1951 pour le finir le 30 septembre 1956. Gouvernement a gagné pour décaisser 200 millions de goudes pour exécuter plan ça. Et plan 5 ans ça te prévoit programme éducation nationale, réparation et construction en pile d'école, programme santé publique la ville d'un coin dehors, programme travaux publics, asphaltage route nationale numéro 1 qui relie Port-au-Prince à Ville-au-Cap et route nationale numéro 2 qui relie Port-au-Prince à Ville-au-Caille. Plusieurs projets agricoles, tant coup irrigation, drainage, technique pour remembrer et conserver terre, monter laboratoire pour faire études à recherche sous élevage animaux, sous plantation et sous agriculture. Sous chapitre ça, 42 500 000 gouttes t'es réservé pour faire promotion produits tant coup café, pit, coton et cacao que pays a te convoyé vendre à l'étranger. Gouvernement Magloire t'a fait restaurer la citadelle, de même que l'ancien cathédrale Port-au-Prince. Il t'a fait passer une loi qui exigeait tout jeune médecin, avant que recevoir diplôme, il a fait pour aller passer 3 ans résidence en dehors, à prendre soin paysan ou bien à faire service dans l'hôpital dans le pays. En septembre 1951, gouvernement Magloire signe un contrat avec une compagnie italienne pour venir l'ouvrir une usine ciment en Haïti. Même mois septembre ça, gouvernement Magloire fait la chambre passer une loi pour créer un conseil de gouvernement qui gagne 9 membres. Wall conseil de gouvernement ça, c'est by 10 ans sous tout projet de loi que l'exécutif là gagne pour le présenter la chambre. Sous tout arrêté qui gardait administration publique et sous tout contrat que gouvernement gagne pour le signer. Dans le finissement de l'année 1951, Magloire montait un institut haïtien de statistique qui était là pour fournir bon genre d'informations qui permettent de planifier d'avance tout projet que le gouvernement a gagné pour l'exécuter. Il était créé un institut haïtien de crédit agricole et industriel pour prêter l'argent à monde qui n'a activité agricole et dans les affaires industrie. Dans la justice, le gouvernement a relouvri coup d'appel pour le prince, coup d'appel au Cap, coup d'appel au Naïve et coup d'appel au Caï. Le 6 décembre 1951, date qui marquait un an depuis le point pouvoir, dans le bilan journaliste est fait, il n'y a pas de bail Magloire tellement belle note. Il y a reproché le desque exploitation café a été tombé. Te gen gagote dans l'augmentation de l'argent, il a été payé employé l'État. Gros fonctionnaire, il a été point plus fort dans le cob là. Et il n'y a pas de bail employé ou presque rien. Marché noir était blahi. Produit en coup du riz avec sucre blanc était rare. Et était monté tech nègre, surtout en province. Gouvernement était obligé d'intervenir et fixer prix à tic tant coup sucre, savon, huile cuisine, toile, caoutchouc pour bicyclette, motocyclette, camion et automobile. 1952, deuxième année gouvernement Magloire. Le 5 janvier 1952, gouvernement signé un accord avec la République dominicaine sous affaire travailleurs haïtiens qui étaient contre traverser frontières sans papier pour y aller couper canne dans bataille Saint-Domingue. Étudiants école de médecine ont entré en grève parce que yon un professeur yo t'est accusé étudiant troisième année d'est-ce que yon flashlight t'est disparu. Ça que la cause école de médecine t'est fermée et le pral rouvri 3 mois plus tard le 12 avril. Le 14 février, le gouvernement a signé avec une compagnie américaine, Reynolds Mining, un contrat pour pendant plus de 30 ans. La compagnie a fouillé chercher bauxite dans Miragouane. Le 16 février, Magloire a inauguré une centrale électrique Léogane. Le gouvernement a mis en activité un bureau cadastral pour venir certifier papier moun qui était dans la vallée de l'Artibonite. En août, le gouvernement a mis en application une loi qui fixait combien yon locataire fait pour le payer yon mois loyer kay. Le 15 avril, président dominicain Hector Trujillo te vin fon visite officielle en Haïti. Le 19 juillet, date anniversaire naissance Paul Magloire, yo te inauguré dans Port-au-Prince Stade Magloire.
yo te bâti stadium ça dans un an. Il te gen place pour kembe 15 000 moun. C'est stade ça qui pour alvin tourner pita, le maglo a tombé, stade Silvio Krator. En juillet 1952, gouvernement Magloire signe un accord avec la France sur une affaire l'argent que Haïti t'a prêté dans la France en 1910 et qui était supposé payer en 1922 sous président Bordeaux. Dans date qui était 24 juin, la famille Magloire en deuil à cause grand frère grand Jean Magloire t'est mouru au Cap à l'âge de 66 ans. Comme pi grand frère, c'est grand Jean qui t'est prend tête famille là après papa yo Eugène Magloire t'est mouru. D'ailleurs, c'est grand frère ça qui te vint tant couillon papa pour Paul Magloire. En juillet, comme Chada te fait faillite, gouvernement te racheté dans main Exim Bank et remet by propriétaire yo tout terre que l'Esco te confisqué l'état louvre Chada. En septembre, l'état haïtien passe un contrat avec une compagnie française, les grands travaux de Marseille, pour venir faire route ensemble avec quelques autres travail. Gouvernement a déposé la chambre de loi pour régler fonctionnement coopérative. Pour l'année fiscale 1951-1952, c'était pour la première fois dans toute l'histoire du pays d'Haïti que revenu l'État arrivait à 21 millions de dollars et que budget pays a arrivé à 124 millions de gourdes, ça qui représentait un véritable record. Dans la nuit du 27 octobre, un gros tremblement de terre t'est passé et t'est fait pile dégâts. Dans Anse Avo, plus passé 150 cas étaient écrasés. Yo t'ai compté 3 morts et 72 blessés. En novembre 1952, gouvernement signe un contrat avec une firme américaine pour faire barrage Pelig qui pourra permettre irrigation vallée de la Tibonite. En plus de ça, nous devons mentionner construction académie militaire à Frères dans Pétionville. Construction lycée Antoine Firmin et lycée des jeunes filles à Port-au-Prince. Et l'idée était lancée que le gouvernement pourra décaisser 1,3 million de dollars pour aménager l'aéroport au Cap, qui était pour aller plus grand que l'aéroport Boeingfield et gagner Port-au-Prince dans le temps. Président Magloire a fait l'ouvrir plusieurs marchés en dehors. L'idée a monté un bel programme pour enseignement technique et professionnel. L'idée a fait bâtir 224 cailles et l'ouvrir en deuxième cité Magloire, Port-au-Prince. Plusieurs industries ont l'ouvrir dans Port-au-Prince et en pile touristes est venu visiter pays. Magloire te gen madame li qui te monté en fondation qui te fait quelques œuvres sociales. Comme réalisation, fondation madame Magloire te l'ouvri cantine populaire Bel Air à La Saline. Deux écoles d'art ménagées, yon Saint-Martin Port-au-Prince et l'autre la Fossette au Cap. Yon cafétéria non ancien bureau La Poste qui sous grand rue Port-au-Prince. Deux ouvrages nationales, yon Port-au-Prince, l'autre la au Cap. Côté où tu fait une exposition permanente de super broderies que couturière haïtienne tu as réalisé sous drap, sous robe, sous corsage, sous nappe et sous napperon. Année 1953, année ville provinciaux. Pour l'ouvrir année 1953, en janvier, Magloire à Locaille inauguré usine sucrière Dessalines, barrage Camperin et un système irrigation canal d'Avesac qui est dans le sud pays. Tout pays a tant bouleversé. L'un dimanche, vers 1h30 du matin, dans mi-temps mois janvier, yo te joine kanganen dans yon kay matisan, yon maman à 4 petites, et dans la koukay la, yo te trouvé sans connaissance et tchaké à coup de ponya, Ludovic Desinor, Marie-Madame Lan et papa 4 Timounio. Ludovic Desinor sa a te chef bureau service des routes dans le département de travaux publics. Te gen non gros moun nan gouvernement ki te nomme. Et te le jol la même fait comprendre comme te gen un gros l'agent qui te disparaît dans travaux publics. Yo te voué assassiner Ludovic Desinor pour tout simplement casser feuille couvrir ça. En dépit de toute investigation, la police te mené, yo pas de jam rive trouver moun qui te commet tout crime ça yo. Et pourtant, c'est des années après, yo vin konnen fin fond vérité. Sous gros drame ça qui t'est passé martissan. Magloire après ça t'est continué voyage que t'a fait dans ville provinciaux. C'est comme ça le 5 février il était au Cap à fêter 75e anniversaire l'école des frères de l'instruction chrétienne côté Magloire t'est fait classe primaire. Et en même temps
inauguré travail qui était pour le fait pour rebâtir en pile salle de classe dans l'école ça. Le 10 février, Magloire Talverette inauguré gros travail irrigation qui vient pour être fait dans la vallée de la Petite Bonite. C'est pas deux belles carnavals que le gouvernement et le commerce ont organisé dans Port-au-Prince ensemble avec OCAP. T'es gain en pile ban à pied et en pile bel char bien décoré. C'était pour la première fois t'es gain bel carnaval comme ça dans le pays d'Haïti. Magloire t'a fait bâtir plusieurs casernes pour l'armée d'Haïti. Il t'a monté un service d'inspection véhicule qui était là pour inspecter camions avec automobiles qui t'a circulé dans Port-au-Prince. C'est pour la première fois dans le pays et sous Magloire, nous pouvons louer 4 femmes, 4 infirmières, ville pour un grade officier dans l'armée d'Haïti. Dans la date qui était 12 mars, Magloire t'a l'en nord pour la loi comment travail maritime à ce tape marché dans ville au Cap. Il t'a profité pour le piquer jusqu'à Fort Liberté à Kwanamen pour l'inspecter qualité asphaltage route que une compagnie hollandaise qui tirait les Bohama t'a fait. C'est en avril 1953 que Vatican t'a nommé Père Rémi Augustin comme premier évêque haïtien. Il était sacré Monseigneur dans la cathédrale Port-au-Prince le 31 mai 1953. Toujours en avril, avec concours l'ONU, gouvernement fait une réforme dans l'argent pays de façon pour une corée valeur goudla. Depuis 1er janvier 1952, 2 ans à l'avance, Magloire t'a fait un pile de passeport au prince au Cap à Gonaïve pour préparer fête 150e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Dans la date qui était 18 mai 1953, c'était gros fête dans tout pays pour célébrer 150 ans depuis ancêtres qui étaient rassemblés là pour créer drapeau. Fête qui était durée 3 jours. Il était commencé dans samedi 16 mai, les bandes scouts t'ai organisé un gros veillé patriotique dans le théâtre de Verdure dans Port-au-Prince. Dimanche 17 mai, t'ai gain gros parade côté élève l'école ensemble avec étudiants université, t'as le défilé devant tribune champ de masse Port-au-Prince. Après ministre éducation nationale là t'ai fin font bel discours, fête là t'ai continué. Yon bande savé qui t'ai membre Union nationale des écrivains, artistes et intellectuels haïtiens et la Société nationale d'art dramatique, SNAD, qui t'ai réuni un groupe acteurs qui t'ai fait bel théâtre. Yo t'ai monté dans la radio, yo t'ai fait un gros festival culturel. Festival ça t'ai radio diffusé dans station radio tout partout. Et c'est un pile monde dans tout pays qui t'a suivi toutes belles paroles qui t'a dit dans l'occasion ça. Après ça, dans même soirée 17 mai, vin gayon l'autre veillé patriotique côté dans toute radio. Yo t'ai tombé réciter poème patriotique. Monté belle pièce théâtre. À minuit, yo tiré 21 coups de canon pour marquer naissance drapeau. Dans matin 18 mai, Tedeum t'ai chanté dans l'église toute paroisse gen dans pays. Dans la caïe, président Magloire lui-même monté drapeau. Yo t'ai tiré 21 coups de canon pour saluer drapeau. Après ça, tout le monde qui était là, yo t'ai chanté ensemble en français le chant du drapeau qui c'est d'après un poème que Christian Wehrli t'ai écrit. Et qui te gagne comme parole, salut, beau drapeau de Vertière, saint emblème de l'Union, inspire-nous couleur altière de Dessalines et de Pétion. En ce grand jour de notre histoire, le 18 mai 1803, tu parus pour guider nos doigts vers le soleil de la victoire, et le maître vit en tremblant, annonçant la nouvelle aurore, le bel étendard tricolore surgir amoindri de son blanc. Après ça, c'est tout par cœur Michel Desjean qui t'est chanté au chant pays d'Haïti, qui c'est la Dessalinienne. T'es une délégation élève qui t'est sorti dans toute l'école qu'il y en avait hier. Élève, t'es levé main, yo, et t'es fait serment devant le drapeau, que y a campé pour servir intérêt race là, ensemble avec patria, avec dévouement et désintéressement jusqu'au sacrifice. T'es une cérémonie qui t'est faite au Cap, côté t'es un pile monde qui t'a le rend hommage devant statue héros, yo, que gouvernement Magloire t'es fait installer dans Vertière. 19 juillet, c'est date Magloire t'es fait. Chaque année, dans l'occasion ça, y'a toujours fait belle réception pour lui. Année 1953, c'est gros commerçant yo qui te mette ensemble et fait Magloire cadeau yon station radio qui te relais Radio Commerce. Il faut que nous dit que après Magloire tombé, l'État t'es saisi station radio ça et t'es venu changer nom en Radio Nationale. Président Magloire t'a profité de date ça pour te faire la guerre Jean Bélisère, Arthur Valcourt, Martin Théodore, Maxi Duvivier, K.
Casales du Vivier, Samuel Nicolo, Maître Félix Philanthrope et les deux frères Louis et Antoine Magloire, qui étaient mon Jérémy, que l'été fait boucher dans le pénitencier national pour cause politique. Il faut que nous disions que tout le monde s'est bouché dans la prison sans que vous n'ayez jamais voulu à le présenter caillot devant un juge dans le tribunal. Même 19 juillet, ça, Magloire t'a fait paraître un journal, Le National, qui t'a fait faire propagande pour le gouvernement. Le 20 juillet, nouvelle arrivée dans le pays hier que le président du Marseille estimé t'est mort dans l'hôpital New York. Là même, t'es les Joel Gaillé, que c'est président Magloire qui t'a fait balle en poison. Il t'a rentré avec cadavre là et il t'a installé dans le palais législatif qui est dans le bicentenaire. Gain pile reproche, il fait Magloire. Dès que, dans la nuit 1er août, l'Ital Bambilé n'a en fait dans le casino international qui tout près palais législatif, que des cadavres président estimés étaient exposés. Faut que nous songeons que c'est 1er août 1934 que blanc américain était désoccupé pays. Et depuis les ça, l'armée d'Haïti toujours fait gros fête chaque 1er août pour marquer date ça, qui c'est date officielle création de l'armée d'Haïti. C'est vrai, Magloire était qu'à bien parler en fait ça. Cependant, comme pivot gradé dans l'armée d'Haïti, Magloire était jugé nécessaire pour le passé. Il fait well, mais il n'est pas traité en fait là. Il était chanté funérailles président estimé dans la date qui était 3 août. Président Magloire, ministre, ensemble avec tout gros fonctionnaire dans le gouvernement, t'es assisté funérailles là. Dans la date qui était 5 août, journal Le Matin, publié copie yon lettre Dr. Hyman, qui était médecin président estimé, et a suivi li dans New York. Dans lettre ça, Dr. Hyman écrit que président estimé t'est mouri de mort naturelle. Comme li t'est souffri tension ak urémie, ça t'est provoqué yon complication qui la cause que rel t'est bloqué et qu'elle t'est flanché. Autopsie cadavre là, qui t'est faite dans l'hôpital New York, t'est confirmé diagnostic ça. D'ailleurs, dans Dumas 16 estimé, dialogue avec ma souvenir, yon livre que madame estimé écrit, li rapporté sous cause la mort Maril, même sa docteur Hyman t'est rapporté dans copie lettre qui t'est publié dans journal Le Matin. Encore yon l'autre fois, président Dumas 16 estimé t'est mouri de mort naturelle. Et faut que nous suspendre répéter que c'est Paul Magloire qui t'est voyé empoisonné dans New York. Dans dimanche 23 août, président Magloire retourne au Cap pour inaugurer tout gros travail que Maritimas t'a fait pour embellir ville au Cap. T'a gagné en pile fête. En septembre, président Magloire prend une loi côté le créer l'école normale rurale qui était là pour bail bon gens formation à professeurs qui t'a gagné pour faire l'école en dehors. À partir de novembre 1953, tension a commencé à monter contre Magloire. Yo te kole trak plusieurs côtés dans Port-au-Prince qui t'a demandé population pour boycotter cérémonie qui t'est pral faite pour fêter 150 ans indépendance pays d'Haïti. Pour yo pas écouter aux transmissions cérémonie dans radio. Pour yo pas suivre dans journal ni pour personne pas participer dans manifestation que gouvernement pour organiser. Dans la nuit 8 pour le 29 novembre, la police tirait des mouns que yo te surprenne à kole trak. Le lendemain 10 novembre, Magloire en personne à la police pour la complimenter policier qui t'a tiré de monsieur. Li dit yo, nous connaît que me compte abus, mais cependant, chaque fois circonstance se présente même genre, faites votre devoir. M'a prend toute responsabilité. Surtout nous connaît que me pas peur responsabilité. Dans liste s'acte réalisé sous président Magloire en 1953. Faut que nous ajoutions que l'industrie touristique l'a été montée en flèche. Plus passé 34 000 touristes sont venus visiter le pays. 30 écoles nationales ont ouvert les portes plusieurs côtés dans le pays. Et lycée tricinquantenaire des jeunes filles ont ouvert dans Port-au-Prince. Tu as un centre qui a ouvert Mabial dans Jacmel et Bayeux dans le Nord pour former techniciens en éducation de base. Dans la vallée de la Tibonite, Magloire a fait mettre Borel. Yon station pour faire études sur bête volage et faire croisement avec l'autre espèce qui était sortie dans l'autre pays. Dans le bois dehors, yon te fouillé 7 étangs
pour faire élevage poisson de l'eau douce. Tu as un projet pour la culture plusieurs qualités légumes qui t'a marché très bien. Et installation plusieurs gros machines pour décortiquer du riz. 1954, année 150 ans, indépendance d'Haïti. Président Magloire te fait faire un pile gros travail, gros naïve, caniveau, asphaltage qui est couru, un pile trottoir en béton, fait courir en bataille, un pile fait tuyau pour charger de l'eau, réparer système électrique, restaurer l'hôpital La Providence, construction monument pour les héros de l'indépendance, réparer place de l'indépendance et construction cathédrale gros naïve. L'idée fait monter Vertière dans le Cap, monument pour les héros de l'indépendance. 31 décembre, Magloire a laissé Port-au-Prince en route pour Gonaïve. Plus passé 500 cavaliers à cheval, tapent li en entrant ville Saint-Marc. Le livre Gonaïve, yon remet li clé la ville. Fondation Madame Magloire te fait gros distribution jouet by Timoun. Nan assoué yon organisé veille patriotique sous place Dame Gonaïve. À minuit pour le 1er janvier, yon tiré 21 coups de canon. Officiers, soldats de l'armée d'Haïti, habillés avec bel uniforme, ensemble avec cadets de l'Académie militaire, drapeau déployé, orchestre palais national, tout tal prend position bien bonnet devant la cathédrale Gonaïve. Après une cérémonie religieuse, Monseigneur Robert, évêque Gonaïve, te font prêche, côté le repasser toute bataille en sept que te fait, qui devine déboucher sur l'indépendance pays d'Haïti. Après ça, Monseigneur Francis Coladone, qui était nonce apostolique Port-au-Prince, lit un message que Papi XII te voyait par le peuple haïtien, ensemble avec président Magloire. Après cérémonie en finie, Monseigneur Lardonné, devant porte cathédrale Gonaïve, by président Magloire, une décoration que Papi XII te voyait pour lui. Après ça, Paul Magloire dévoile un statut de Saline qui était sous place Gonaïve là. Dans le coup, ça t'est passé dans la date qui était 1er janvier 1804, chef d'état-major la mer, général Antoine Levelt, lire l'acte de l'indépendance d'Haïti. Et adjudant général là, il bail lecture pour proclamation du général en chef de l'armée. Pour faire mes fêtes là, Magloire a déposé un bouquet fleur devant la place du centenaire que le président Noir-Alexis t'a bâti en 1904, l'air où fêté premier centenaire indépendance pays d'Haïti. Même corps diplomatique là, ensemble avec une délégation que pays Venezuela t'a voyé, il a fait un coup président Magloire et il a déposé un bouquet fleur devant la place là. T'as gagné 4 gros avions bombardiers, l'armée Venezuela, qui t'a volé dans le ciel là et t'a plagué sous foule là. Yon fleur rare qui est l'orchidée. C'est fleur ça que pays Venezuela choisi comme symbole. Nan assouette une réception plusieurs côtés dans Gonaïve. Le lendemain matin 2 janvier 1954, bien bonnet, cortège la prend route département du Nord. À 9h, yon te rete devant Breda, côté Toussaint l'ouverture te prend naissance, et yon te rendu les honneurs militaires. Au Cap, depuis Barrière Bouteille, yon foule était déjà là à peine cortège présidentiel là. Yon chantait des hommes pour Magloire dans la cathédrale au Cap. Après ça, Magloire à cheval fait une parade militaire dans la ville au Cap. Dans l'après-midi à 2h, Major Paul Corventon, commandant de l'Académie militaire, t'a refaire quelques épisodes de bataille de Vertière. Dans la soirée, gros réception Milo n'en parlait sans souci pour 700 invités. Pendant la réception, ça a. Une grande chanteuse noire américaine qui était les Marian Anderson, t'a chanté une bonne belle chantée, en pile Negro Spirituals et l'Ave Maria de Schubert. Cœur Michel déchanté là, il t'a baillé une belle performance. Le lendemain 3 janvier, c'est tout par rapport au prince, t'a une grosse manifestation sur place Champ de Mars. Il t'a inauguré kiosque aussi gentil. Une artiste haïtienne, Micheline Laudin, t'a baillé un gros concert piano. Américaine noire Marian Anderson, une fois encore t'es chanté, mais fois ça, c'est sous kiosque Oxyde Gentil. Cadet Académie militaire te reprend quelques épisodes bataille Vertière. Et président Magloire te dévoile les gros statues qui sous Champ de Mars pour au prince. Pour faire mes fêtes plus 50 ans d'indépendance pays d'Haïti, Magloire t'organise une grosse réception dans le palais national pour 3000 invités. Faut que nous dit, t'es gain fête en pile l'autre côté. Tout go fête sa yo pour marquer 150 ans indépendance pays d'Haïti pas quand même fini que opposition t'est passé à l'action. Là même, yo commencé écrit dans journal Haïti démocratique et distribué tract contre gouvernement Magloire. La police t'est fait 17 arrestations et t'a cherché plusieurs autres complices qui t'est gain temps mettre vent en voile yo. Le 9 janvier, juge d'instruction Roque Raymond
voyez mandat pour la police arrêter député Rossini Pierre-Louis et Daniel Fignolet pour complot contre la sûreté de l'État. Ils ont accusé de ce qu'ils ont simé la troublaille dans la capitale là. Pour ces travailleurs et étudiants, pour faire grève, mandé militaires pour révolter. En plus que ont envoyé lettre par le chef d'état-major, général Antoine de Velt, qui était de bois droit de Paul Magloire, pour te faire la mer pour une intervention. Ils ont même rivé mandé concours l'autre pays étranger et quelques organisations internationales. Sénateur Marcel Erard, que la police tape cherché, t'es couru à l'entrée dans le consulat. Après ça, l'Italie prend refuge au Mexique. Il n'y a pas de jamais jugé personne. Et deux mois plus tard, dans la date qui était 14 avril, Magloire t'a fait la guerre au tout. Et sénateur Marcel Erard, qui t'a le point refuge dans le pays Mexique, t'est retourné dans le pays IA après ça. Pour répondre à quelques invitations, président Magloire t'a le fond grand la tournée dans six pays dans l'Amérique là. Le 20 juin, il est laissé par au prince par avion et la Havane, Cuba. Côté au table fait une grosse cérémonie pour décorer le président américain, général Dwight Eisenhower. Le 26 juin, président Magloire a laissé la Havane et la San Juan, Porto Rico. Le 29 juin, il était Managua, Nicaragua. Le 2 juillet, Magloire était Caracas, Venezuela. Le 7 juillet, il était au Panama. Le 12 juillet, Magloire était Bogota, en Colombie. Il était retourné pour Port-au-Prince dans l'après-midi 13 juillet. Quel que soit côté président Magloire passé, chef gouvernement chaque pays sa yo te fait gros réception pour lui. Et chaque fois Magloire te prend la parole, il était toujours déclaré que l'a combattre le communisme. Chaque année, dans la date qui 19 juillet, il a toujours fait gros fête pour marquer anniversaire Paul Magloire. Année ça, il était profité de l'anniversaire pour te faire cadeau un tel état pour bâtir l'église Saint-Pierre tout neuf dans Pétionville. Quelques jours après, le 24 juillet, Magloire était dans le nord. L'Italie a fait champêtre Saint-Jacques, la Blaine du Nord, et Sainte-Anne, limonade. Magloire était tellement bambilé dans la soirée la veille fête Sainte-Anne, ça, dans limonade, que le lendemain, bruit courit, que pendant Magloire tape danser dans un bal, dans mi-temps, un full moon, il a escamé tête et fourré main dans la poche Magloire et volé au bousli. Après ça, il était profité pour te faire plusieurs inaugurations, surtout route Cap Wanamet, que Bohama, une compagnie hollandaise s'est asphaltée. À cause manque d'entretien, route ça n'a pas duré longtemps. Après quelques années, tout asphalte là est allé. Moun qui n'a activité touriste, te profité présence Magloire dans le nord pour soulever avec affaires aéroport au Cap là. Je dis Magloire que plus fort touriste qui vient en Haïti, c'est pour y aller visiter Citadelle. Or, il s'est trouvé que touristes sont obligés de passer par Port-au-Prince. En pile fois, ils ont découragé touristes. Et comme ça, ils ont boycotté Viloclap. Il y a même chauffeur guide Port-au-Prince qui compte faire touristes prendre Fort Jacques pour Citadelle. Magloire te fait reconnaître malgré tout effort que le gouvernement a fait. Civic Aeronautic Board te refusé par autorisation pour avion étranger atterrir sur l'aéroport au Cap-là. Et ça, pour trois raisons. Premièrement, l'aéroport a gagné tout contrôle qui pour guider les pilotes, les avions à monter et les avions à descendre. Deuxièmement, comme l'aviation au Cap-là, c'est un terrain vague qui n'est pas clôturé, les animaux peuvent monter facilement sous piste-là, les ouvrés. Ça crée gros problèmes de sécurité. Troisièmement, c'est un aéroport qui manquait toute bagaille. Il n'y a pas même de matériel pour porter premier secours en cas d'accident. Magloire a profité de visiter dans la ville au Cap pour te dévoiler un statut busli que yo te fait et yo te mette sous boulevard au Cap. T'as coup Henri Christophe qui t'a changé nom ville au Cap en Cap Henri. T'as gelé ça tout ton secteur qui t'a demandé Magloire pour changer nom ville au Cap et relé le Cap Magloire. Ça pas te marcher parce que Magloire pas blé. En septembre, Magloire fait l'ouvrir dans Port-au-Prince, un laboratoire d'hygiène publique bien équipé. Dès qu'on vient maladie qui t'aurait les piens, qui t'a fait ravage dans la population. Pian ça a son gros bouton plein pu, qui t'envahit corps, surtout en bas plat de pied, moun qui t'a gagné. À concours l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, et UNICEF, de l'Organisation Nations Unies, gouvernement Magloire t'a monté un service qui t'aurait les serpients. Et dans le finissement octobre 1954, à coup de piqûre pénicilline, yo t'ai traité yo affaire de 2 623 141 paysans haïtiens qui t'ai gain pian
et ont fini par jouer un bout de vieille maladie ça. En plus de ça, Nations Unies te voyons équipe de 10 à 20 techniciens dans plusieurs domaines pour venir aider Magloire à développer le pays. Le 2 octobre, cyclone Hazel passé, il a fait un pile gros dégâts, surtout dans le sud pays de Jacmel à Tiburon. Il a fait un pile bagaille qui était sorti dans le pays étranger pour venir soulager misère sinistrée. Malheureusement, la distribution était mal faite. Il a déjà mangé sinistré avec un pile d'autres bagaille qui t'a vendu dans le marché Gressier avec le marché Léogane. Ça a créé un gros scandale. Et Téléjol t'a même fait courir bruit. T'a gen même l'église qui t'a trempé dans le scandale ça. Cependant, malgré dégâts cyclone Hazel t'a fait, ça va t'empêcher de 15 à 18 novembre, William Tubman, président Liberia, un pays qui est en Afrique, t'a vint passer 3 jours en visite officielle en Haïti. Le 20 novembre, le gouvernement Magloire lance construction route d'Elma, qui vient relier Zelle Nord, Port-au-Prince à Pétionville. C'est une route à 4 voies, 2 voies pour machines montées et 2 voies pour machines descendre, et qui pourra déclencher un gros développement dans toute zone d'Elma. Le 8 décembre, Magloire de Gonaïve, l'Italie inaugure construction d'une cité qui était pour gagner 160 appartements à 4 chambres chaque appartement. L'aile qui était Gonaïve, l'Italie porte de paix à l'inaugurer une caserne, caserne générale Eugène Magloire, que l'été nommé d'après non papal. Après ça, l'y viré petite rivière de la Tibonite, côté l'inauguré en l'autre caserne. Finalement, l'al des chapelles, pour aller assister commencement de travail l'hôpital Albert Schweitzer. Faut que nous connaissons 17 caotais, côté l'hôpital Sabati, c'est un terrain qui était pour standard fruit. Et Paul Magloire baili comme cadeau à un docteur américain qui était relé docteur William Mellon pour le bâtir l'hôpital Sahara. Et bien vite, réputation l'hôpital des chapelles, t'es fin gaillé tout partout dans le monde entier. Gouvernement Paul Magloire en 1955. Sous Magloire dans l'élection, ce monde Magloire t'es choisi, c'est au seul qui t'es compte passé. C'est comme ça dans l'élection qui t'est faite en janvier 1955. Daniel Fignolet, malgré toute popularité qu'il t'a gagné dans le temps masse pour au prince, n'est pas arrivé passer comme député première circonscription. Dans la place, li, Magloire a choisi un certain André Gentil qui n'est pas très connu. C'est une façon pour Magloire de punir Daniel Fignolet de ce qu'il voulait faire peuple soulever contre lui. De 26 janvier à 16 février, président Magloire, ensemble avec Madame Littal, font grand viron à l'étranger. Sous invitation du président américain Dwight D. Eisenhower, il était allé d'abord aux États-Unis. Là, il est arrivé à Miami. Président américain te voué avion personnel li al cheche yo et mené à Washington. Richard Nixon, vice-président américain, te là na aéroport pour recevoir yo. Après ça, cortège la tal nan Maison Blanche et président américain Eisenhower descend l'escalier la Maison Blanche pour recevoir président et madame Magloire. Dans la charrette, yo t'a organisé un grand dîner pour yo dans Maison Blanche. Après ça, Magloire ensemble avec madame li yo te dormi sur une cabane dans une chambre dans la Maison Blanche qui se chambre Abraham Lincoln qui c'est un ancien président américain. Le lendemain 27 janvier, yo te fait prendre logement dans Blair House qui c'est un caille côté gouvernement américain qu'on loger les visiteurs de marque. Yo te recevoir président Magloire dans Congrès côté il te prononcer un discours devant tout sénateur et député américain. Après ça, dans une conférence de presse, Magloire a profité pour l'inviter businessman américain pour venir investir en Haïti. Magloire a passé dans le bureau de l'OEA. L'ité laissé Washington et l'Al West Point, qui sont gros académies militaires, qui obstent New York. Là, il a fait belle réception pour lui. Samedi 29 janvier, Magloire et tout le même cortège, ils descendent de New York. Ils descendent dans l'hôtel Waldorf Astoria. Magistrat New York, là, Robert Wagner, te recevoir et te souhaiter la bienvenue. Le lendemain dimanche, Magloire ensemble avec Madame Lee t'a la messe dans la cathédrale Saint-Patrick. Après la messe là, cardinal Spellman t'invite yo à déjeuner. Après ça, tout partout, quel que soit côté Magloire passé, ces belles réceptions ont été faites pour lui. Il t'a profité pour visiter l'ONU, l'Ital Columbia University, de même que Fordham University. Dans chaque université, ça yo, yo t'a ballon diplôme docteur en droit honoris causa. L'Ital visite Wall Street. Là, il a eu une chance de rencontrer 125 plus gros bachats qui gagnent dans le pays américain.
ça qui t'est vraiment marqué passage Magloire dans New York, c'est là où t'as organisé un petit curté prêt pour lui. Côté dans fenêtre, tout go building, moun t'a plagué petit papillon en papier, les cortèges Magloire t'a passé sous Broadway, dans Manhattan, en bas la ville New York. Après ça, Magloire t'a visité Nashville, il visité Chicago et Boston. Au Canada, il t'est passé et Ottawa et Montréal. Il prend avion, il descend Jamaïque. La reine Elisabeth d'Angleterre t'a fait mettre un porte-avion à disposition Magloire et Madame Lee pour y mener au tourner en Haïti. Mercredi 13 février, les Magloire arrivaient pas au prince. Ils ont fait bonne main et sous grand rue en pile belle décoration pour lui. Alors que Maspep t'a massé de bord à bas de bravo, Magloire t'a marché à pied de Wafla jusqu'à ce qu'il t'arrive par les nationales. Le 3 mars, trois semaines après, vice-président américain Richard Nixon, ensemble avec Madame Lee, il a devine pas au prince, retourne une visite officielle que Magloire t'a fait aux États-Unis. Il était descendu dans Villa Magloire. C'est un bel caille que Magloire t'a gagné en haut toujours. Visite vice-président Nixon en Haïti t'a duré 3 jours. Après ça, Magloire t'a continué à marcher à le visiter ou bien à inaugurer l'autre réalisation que t'a fait. Le 12 avril, il au caille. L'Italie visitait Centrale Sucrière des Salines et inaugurait le lycée Philippe Guerrier. Le 27 juin, Magloire au Cap pour lancer construction d'un nouveau bâtiment pour loger le lycée Philippe Guerrier au Cap. L'Italie profitait de voyage ça pour inaugurer un musée dans un caille que Antenor Firmin a gagné au Cap dans rue 18. Le 7 juillet 1955, gouvernement Magloire a passé un contrat avec Tekent, qui est une compagnie ingénieur américain, pour venir établir un service en Haïti pour faire entretien et réparer les routes qui dans le pays. C'est vrai, les Magloire ont au pouvoir, ils étaient très populaires. Cependant, les pas de printemps pour Magloire ont rencontré en pile difficulté. 1. Depuis 1954, l'économie du pays est en mauvais état. 2. Partisans mouvement 1946, ils n'ont pas de gens pardonner Magloire pour façon de renverser le président estimé. 3. Jeune officier dans l'armée a été reproché Magloire d'est-ce que le pas de jambes fait réforme. Il t'a gardé dans la place tout ancien militaire qui était monté en Samavelle et de continuer à occuper tout gros poste et gain dans l'armée d'Haïti. 4. Il était clair pour un pile monde que Magloire pas voulait quitter pouvoir, puisque dans la date qui était 16 juillet 1954, il était fait la chambre voter en loi comme quoi c'est prêter l'armée d'Haïti, c'est prêter pays à Paul Magloire et que le mandat finit comme président. Il peut retourner pour un commandement de l'armée d'Haïti comme général de division. Dans le commencement de l'année 1956, l'opposition a déclaré au plus tard, mois de décembre, faut que Magloire quitte le pouvoir. C'est comme ça le 17 mai 1956, la veille fête drapeau, étudiant lycée au Caille à lycée Jacques Mel te prend la rue. Dans Port-au-Prince, étudiant ensemble avec professeur lycée Pétion à lycée Toussaint Louverture te monté barricade. Yo t'es tombé vos roches, vos chaises, vos bancs, sous policiers qui étaient dehors dans la rue. Et yo t'as brûlé à Baba Gloire. Après ça, en dedans de lycée Sayo, élève yo t'es bataille tête calée avec la police. L'hôpital de recevoir un pile blessé qui t'est fait dans deux camps. Port-au-Prince t'est couvré avec un bande trac que le comité révolutionnaire t'est fait circuler. La police te profitait pour faire plus passer 50 arrestations et parmi eux, plusieurs journalistes. Dans finissement moi, mais. C'est tout pas syndicat des chauffeurs guides pour y entrer en grève. C'est même époque ça, yon activiste Luc B. Innocent te prend tête yon petit frère qui te relé Timon B. Innocent et fait la mettre du feu dans le lycée Philippe Guerrier au Cap. En dépit de tout le bouleverse ça, yo, faut que nous dit que Magloire te rete ke calme. Le 24 août 1956, gouvernement te fait inaugurer usine électrique Jérémy. En septembre, Magloire parti, l'alphonse check-up médical dans la ville Philadelphie aux États-Unis. Après ça, l'al passé quelques jours dans le bord les chutes du Niagara, qui sont gros centres touristiques qui sont dans la zone upstate New York. À peine Magloire tourné sorti aux États-Unis, journal Le Souverain salué à une campagne qui mandait pour un retour à la révolution de 1946. Cependant, il y a un bagage que Magloire pas réalisé, c'est degré mécontentement. Et niveau conspiration qui t'a bouilli dans la mer, t'es gain en pile dans jeune officier qui t'a plaint du fait que, après plus passé 12 ans d'un pilote commissionné sous-lieutenant, il n'y a pas de jambes bénéficier aucune promotion.
Magloire qui était monté le 6 décembre 1950, t'es gagné pour quitter pouvoir dans date qui était 6 décembre 1956. À cause d'une erreur grave, t'es gagné dans la Constitution, et malgré tes grands décrets qui t'est passé dans date qui était 4 août 1950, qui t'est fixé 6 décembre 1956 comme date pour Magloire qui était pouvoir, Magloire t'a prouvé si quand même li pas de cap kembe pouvoir jouk 15 mai 1957. Les oppositions ont réalisé ça, là même, yon la gué te guidon dans dingue Magloire. Et ou dit rien à faire, 6 décembre 1956, il faut quand même Magloire qui était pouvoir. À partir du mois de novembre 1956, bombe commençait à éclater. Et de temps en temps, coup de zampati en demache fait pour Prince. Ça que t'es la cause en pile courri et tout magasin bot meyo t'es fermé pour toi. Général Paul Eugène Magloire pour aller essayer by président Paul Eugène Magloire un coup d'état. Kounye bagayo pour le gâter tout bon. Dans la nuit 3 pour lever 4 décembre, yon dynamite éclaté, yon gros réservoir de l'eau qui dans première avenue Bolos. Ça que la cause te gen entre 4 à 5 moun qui te mouri ou te blessé. Après ça, vers 11h du matin, yon bombe éclaté dans ma chevalière. Panique, gros courri. Vers 1h30, Magloire alfon viron dans ma chevalière. Après ça, Magloire prend commandement caserne de Saline dans place colonel Stéphane Willy qui est en mission au Venezuela. Après, il fait une gros parade militaire. Il convoque tout gros militaire qui a fait passeport au prince. Pour le connaître qui est ce qui avait. Yo tout dit à Kembel, sauf colonel Léon Cantav, yon noir, et major Paul Covington, yon mulat. La même, Magloire fait mettre colonel Léon Cantav aux arrêts fort dimanche, et le passé major Paul Covington l'ordre pour ne pas quitter l'Académie militaire à Pétionville. Magloire va demander à l'ambassadeur américain Roy Taskulevis, ça le pensait s'il changeait de date d'élection. En attendant, situation calmée. Le lendemain, ambassadeur Roy Taskulevis, ensemble avec nos apostoliques là, Monseigneur Luigi Raimondi, doyen du corps diplomatique, alloué Magloire. Les arrivés, ils ont fait Magloire comprendre qu'il perd du confiance peuple là, qui donc faut le quitter pouvoir. C'est alors général Paul Eugène Magloire, mettel avec général Antoine Level, pour ensemble, ils ont bail président Paul Eugène Magloire un coup d'État. D'après ça, écrit dans le livre l'histoire, mais comment ça t'est passé? Magloire font discours dans la radio. Côté le fait songer que date 6 décembre, ça a fait 6 ans d'impil te prêté serment comme président. Après, il fin déclarer tout sa gouvernement réalisé. Il dit que le t'offri, yon après l'autre, Joseph Nemon Pierre-Louis, Rodolphe Barrault, Aclélio Villegrain, tous les trois juges dans la cour de cassation, qui d'après constitution, te ka prend pouvoir dans place li. Tous les trois juges ont refusé. Et Jijo dit, dans la mauvaise situation que le pays a traversé, c'est seule l'armée qui a maintenu l'ordre et le pays a bon genre sécurité. Après Magloire, général Antoine Level, chef d'état-major de l'armée d'Haïti, prend la parole et le dit jeudi vers les 9h du matin, te gon gros réunion dans le palais. À cause de décision président Magloire pour quitter le pouvoir, il a convoqué trois juges dans le tribunal de cassation qui, d'après article 81 Constitution, cap kembe pouvoir provisoirement et diriger pays jusqu'à ce que organisé élection. Président tribunal cassation, juge Joseph Nemou Pierre-Louis, demandé chef d'état-major, j'ai une situation là, est-ce que l'armée cap garantit l'ordre et la sécurité dans quatre constitutions à trois pays? Chef d'état-major a fait juge Joseph Nemou Pierre-Louis comprendre, à cause gravité situation, personne pas capable diriger pays ça sans pas prendre des mesures extra-légales que seul un gouvernement fort et habile cap prend dans l'intérêt supérieur de la nation. Devant état situation, yo te offri pouvoir à chaque trois juges dans tribunal cassation qui était là présent. Yo tous les trois te refusé. Yo te préféré remettre l'armée pouvoir et mander l'armée pour prendre toutes mesures qui nécessaires pour sauver pays. Après ça, au état-major la mer, mandé général Paul Eugène Magloire pour le quimper pouvoir et au bal garantie que l'armée pral camper derrière pour quelque soit mesure d'exception que le pral prend. Dans finissement discours, général Antoine Level déclarait que général Paul Magloire, une autre fois encore, t'a accepté mettel au service pays.
Là même, Front National tiré 21 coups de canon. Général Paul Magloire dit, rentrant dans nos casernes, à la tête garde palais national, il fait une parade militaire. Après parade là, comme t'es gant pile moun qui était là qui t'a gardé, moun yo t'est tombé relé, vive quand son fait. Que fait Magloire? Li kage genou droite li, li souleve yon zèl dolman li, li foure gros pouce li sous ceinturon, et pendant que l'ap souleve et l'ap secoue le bon pantalon, c'est ton façon pour Magloire montrer, ak kan son fèl sou li, l'ap fini par mate kri sa quand même. Li fait publier deux décrets. Yon kote l monte yon nouveau cabinet ministériel. Yon l'autre kote l ferme la chambre, et l renvoye tout député ensemble avec tout sénateur. Il ferme un bureau l'État, il était formé, qui était le conseil de gouvernement. La police a fait plusieurs arrestations. Et parmi eux, sénateur Louis Desjoie, un candidat déclaré à la présidence. Trois juges dans le tribunal cassation ont fait publier dans le journal Le National une déclaration qui n'est pas cadrée du tout. Axa général Antoine Level te dit comment bagaille était passé dans le palais national. Yo chak te dit que yo kap accepté pour un pouvoir provisoirement à condition que constitution et loi pays a respecté et yo pas d'accord du tout pour yo employer aucune mesure extra légale. Depuis une semaine bombe t'a éclaté dans Port-au-Prince. C'est couru après couru et de jour en jour bagaille t'a vive pi mal. Jour lundi qui était 10 décembre, c'était presque tout Port-au-Prince qui était en grève. Mardi 11 décembre, Magloire convoqué dans le palais national commerçant avec industriel yo qui dans capitale là pour un chita parler. 32 nan yo te répond à invitation. Nan yo un compte qui pas duré plus que un quart d'heure. Magloire mandé pour l'ouvrir le lendemain mercredi 12 décembre toute installation yo et invité tout employé yo pour retourner travail. Mercredi 12 décembre dans Port-au-Prince de grève générale. Magloire descend en bas la ville commerçant yo là même courir l'ouvrir magasin yo. Mais à peine Magloire viré d'ol, tout magasin yo fermé. Magloire tourne pouvoir par juge Joseph de Montpierre Louis qui foire ça accepté. Magloire traversé la coupe à l'air, elle a installé dans la caserne de Saline comme général de division. Deux officiers, Alix Pasquette et Philippe Dominique, à l'an bureau Magloire. Les Magloire ouais, yo, li di yo même pas quoi nous vinn faire rien. Yo répond Magloire pour dire non, nous vinn tout simplement di ou que l'heure arrivait pour aller. Magloire là même, à la Kaeli, à l'ranger Zafel. Général Antoine Levelt mandé pour le point retraite li comme chef d'état-major la l'armée d'Haïti. Yo voyait lieutenant Morpa Auguste. Al dit Magloire que l'armée met un avion à disposition. Jeudi 13 décembre, 26 heures du soir, yo mené Magloire ensemble avec toute famille et quelques partisans le Boeing Field, côté où tout monté à bord un avion DC-3 à l'armée d'Haïti. Piloté par le colonel Roy, qui menait tout en exil Kingston, Jamaïque. Les Magloire tombés, il pas bien plus que 49 ans, après que pendant 10 ans, de 1946 à 1956, Magloire a dominé la scène politique dans le pays d'Haïti. À cause de la pression, le gouvernement haïtien a été mis sous le gouvernement jamaïcain du fait que Magloire a trouvé le trop pour le pays. Quelques temps après, Magloire a quitté Jamaïque et a vécu à Queens, New York. En 1975, Magloire montait le ralliement des forces de l'opposition pour le tal faux mouvement en Haïti. Après quelques temps, ralliement est éclaté. Magloire est retourné en Haïti en 1986 après tomber Jean-Claude Duvalier. Il tal vive Pétionville, côté le témouré le 13 juillet 2001. Il y a un historien haïtien qui n'a pas pardonné Magloire pour le rôle qu'il a joué dans le renversement président estimé. Il y a l'autre qui reprochait de ce qu'il était un playboy et que l'expérience Magloire c'est un échec et que Ray. Magloire marqué par la corruption. Cependant, il y a un historien américain qui fait témoignage et reconnaît d'un petit président Salomon, Paul Magloire, c'est président qui plus capable qui était gouverné pays d'Haïti. Il y a un autre historien américain qui même allait plus loin et il a écrit que sous gouvernement Magloire, pays a été arrivé à un niveau de splendeur qu'on cap considéré comme l'âge d'or de la République d'Haïti.